saison. Bienvenue pour cette première journée. Il y a eu bien sûr quelques changements pendant l'intersaison, comme toujours, vous me direz. Mais tout le monde est prêt pour la reprise du championnat. Ça nous avait manqué, comme à vous, j'imagine. Et vu l'ambiance qui règne dans les tribunes, je peux vous assurer que ça avait aussi beaucoup manqué aux supporters. Je l'ai sans doute déjà dit, mais je le répète. Pour moi, avec peut-être un stade rouge à Liverpool, l'Allianz Arena est le plus beau stade du monde, tout simplement. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Nouvelle saison, dit nouveaux espoirs. Et ça, c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Tout le monde a les mêmes ambitions, évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien le plus vite possible, alors que d'autres visent le titre et rien d'autre. En tout cas, je sens qu'on va se régaler cette saison. Ok, c'est parti. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Mais comment voulez-vous que je choisisse quelqu'un d'autre que Cristiano Ronaldo? Sa vitesse, ses dribbles, son efficacité, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Mario Fernandez. Le tacle. Zirkov. C'est osé. C'est bien donné. Il centre. Bernardo Silva. Guerrero. Il décide d'allonger le jeu. Il a trébuché sur cette intervention. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Attention là, Cristiano Ronaldo. Un peu d'oxygène pour sa défense. Avec Ronaldo. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. André Silva. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. C'est bien fait, ça. André Silva. Pas loin, mais ça ne rentre pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'ils lui laissent de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. L'ouverture lumineuse. Il peut y aller. Oh, l'occasion!
La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. C'est joué dans la profondeur. Quelle passe ! Va-t-il en profiter ? Oui, il peut frapper là ! Il dégage. Bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il était bien présent. Cette attaque n'a pas pu se développer. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Long ballon dans le sens du jeu pour André Silva. Bonne interception, il y avait danger. Bernardo Silva, il dans le dos de la défense. André Silva. Oh, c'est un arrêt important ça. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ce sera le premier corner du match. Il tente de se dégager. La tentative ! Quel geste de classe ! Il s'est bien adapté, il a sauté le coup venir, il a tenté sa chance, c'est bien. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Le grand tacle dans la surface. Oh, le bon tacle glissé. Bonne lecture de la trajectoire. Il est bien placé. André Silva. Diouba. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long, c'est dangereux. C'est un match agréable jusqu'ici. Il ne manque plus que les buts. La passe dans la profondeur. Quelle location, attention ! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. On est reparti. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Zirkov. C'est joué long. Bruno Fernandes. C'est joué long. L'interception au bon moment. Le gardien loin devant. Et il cède sous la pression. Il cherche son coéquipier. C'est joué long, attention. Ça pourrait être dangereux. André Silva ! Cristiano Ronaldo ! Allez, c'est dangereux ! Parade, super ! La parade, magnifique ! Ou arrêt en deux temps du gardien. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Un premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. La passe est précise, faut tirer là. Quel enchaînement.
enchaînement imparable pour le gardien. De 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Guerrero. Golovin. La Russie qui essaye de construire. Il faut frapper là! À côté. Même si c'est stérile, pour l'instant, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas se décourager. C'est en tirant qu'ils ont une chance de revenir au score. Ricardo. Bruno Fernandes. Ricardo. Et ça sort en touche. Pour André Silva. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ruben Dias. Voilà un marquage très agressif. C'est pas étonnant, vu ce qu'il a déjà fait. Dans la profondeur. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. La Russie qui peut avancer. Allez. Ça joue long vers l'avant. Bruno Fernandes. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et oui, faute. Coup franc. Il n'a pas hésité à tacler. Oh, bon tacle. Oh, le bon ballon! Il est passé! André Silva! Mario Fernandes. Le Portugal qui débute bien le championnat. Le break est fait dans cette première journée. Oh, il y a danger! Le bon dribble! André Silva! Aucun danger pour le gardien. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. La Russie qui effectue donc un nouveau changement. Voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Ça ne passera pas. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Golovin. Une nouvelle intervention. La Russie qui procède à un autre changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi.
Golovin, il cherche la profondeur. Voici un bon centre. Il tire et ça rentre. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Et l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. Ils ont commencé leur comeback, mais iront-ils jusqu'au bout? Un peu d'air pour la défense. Le ballon sort du terrain. Bernardo Silva. Bernardo Silva! Ça aurait pu sceller le résultat. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Avec Bernardo Silva. Coup de sifflet, hors jeu. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. La bonne passe. Ça joue long. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Oh, le tacle. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'ici. S'il le trouve... Oh, il ne fallait pas se rater, là. Un grand dégagement le plus loin possible. Il est servi. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Le bon ballon. Et il perd l'équilibre. Le coup de sifflet, ce sera une faute. C'est un but phénoménal. Yes, 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 yes. Ils ont pris des risques. Ils sont récompensés. Que c'est beau. Oh, quel geste. C'est magnifique. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Allez, allez, un petit peu d'énergie. Le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. Il est passé. Guerrero. C'est fini. Le match est terminé. Et à l'arrivée, ils n'auront donc pris qu'un petit point, mais ce n'est pas bien grave, on est au début de la saison, les victoires, elles finiront bien par arriver. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est pas mal, c'est pas mal, mais nous ne sommes qu'en début de saison. L'équipe a encore le temps de progresser.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Merci à vous, mon cher Grégoire.